Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien. Pascal et Jeff sont partis. C'était vraiment bien pratique d'avoir quelqu'un pour m'aider parce que ça m'a fait gagner énormément de temps. Et encore une fois, merci à toi Jeff et à Pascal d'être venu et de nous avoir aidés, quoi, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Maintenant que toutes les fenêtres sont posées, j'ai attendu que la colle elle prenne et je suis venu remettre mes tasseaux ici. Ensuite, j'ai tout vissé mes fenêtres. Je suis venu mettre tous mes lithos. Vous voyez? Et là, ce que je suis en train de faire, c'est je vais venir faire un genre de contre-cadre pour que quand mon plaquage intérieur arrivera, ça soit assez droit et que je puisse bien mettre mon encadrement avec mon store et ma moustiquaire. Voilà, j'espère que j'ai bien été clair dans ce que je dis, mais bon, c'est peut-être pas facile à comprendre, mais vous verrez quand j'en aurai fait un, deux, trois, vous allez tout de suite comprendre. Et ensuite, donc normalement, ça va faire quelque chose de plus ou moins étanche. Je pourrais venir mettre du scotch. Avec du plastique, ça sera protégé, comme ça quand ils viendront pour la mousse, au moins tout est protégé. Moi ensuite, j'ai de la peinture encore à faire, parce que tout ce que j'ai coupé, toutes les petites arêtes, je vais venir peindre tout ça. Donc l'avantage de faire mes contre-cadres maintenant, c'est que je pourrai tout protéger, mettre la peinture, et ça sera déjà protégé pour la mousse aussi. Voilà, c'est ça qui est bien. Alors, comme vous avez vu sur Instagram, on se prend la tête avec ça. Lambris bois ou lambris MDF. Moi, je veux du bois, Charlotte, elle veut du MDF. Mais elle a dit, hey, soutenez-moi, comme ça, avec sa petite voix sur Instagram. Donc, je suis sûr que vous allez tous dire, oui, c'est mieux du MDF. Bon, j'avoue que le lambris bois, maintenant que je le vois comme ça, il me paraît moins joli et il est beaucoup plus dur à travailler. Vous voyez ? Ça, c'est obligé. Là, je vais avoir un petit souci. Et puis, bah, déjà, vous voyez déjà comment il travaille. Ça va vachement travailler dans le temps et on sait que ça bouge vachement le bois. Alors que celui-là, bah c'est vrai qu'il bouge pas. Ça fait 2 ans qu'il est dans le grenier. Là. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'il est dans le grenier, il n'a pas bougé. Enfin, un petit peu, mais bon, vu comment il était. Voilà, regardez, je peux beaucoup mieux le travailler. Déjà, jusqu'ici, je pourrais mettre mes petites agrafes sans souci. Ça pourra venir jusqu'en haut. Et au pire, ce que je fais ici, c'est que je vais mettre un deuxième tasseau tout le long. Alors donc, si admettons, on vient mettre le cadre à l'intérieur, comme il est prévu à l'origine. Sur les camping-cars, je vous rappelle que c'est droit, et nous, dans les cars, c'est tout tordu, c'est courbé. Et c'est cette courbe qui nous embête. Si on repart droit, on va perdre vachement de place à l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne? En bas, ça va aller. On aura juste à mettre un petit joint, tout ça, à faire ici. Il n'y a pas grand-chose. Tu peux toujours enlever ton cadre pour le changer si tu veux, ou pour le réparer si tu as un souci. Ça, c'est pas le problème. L'autre problème, c'est que là, on a un gros jour en haut. Vous voyez le jour qu'on a en haut? Donc là, on va avoir un souci. Comment faire pour cacher ça? Là, ça va faire tout simplement dégueu. Il n'y a pas d'autre mot, ça va être dégueu. Donc, et puis moi, j'ai pas envie d'enlever le tasseau et de me retrouver sur la ferraille, ça va me faire un pont thermique énorme. Donc ça, c'est assez chiant. Je vais vous faire voir de l'autre côté, regardez. Ça revient au même. Hein. Parce que je me dis, en mettant les lattes de l'autre sens comme ça, est-ce que la courbe, elle va pas être moins accentuée, tu vois? Bah tu vois, regarde, si admettons, là, tu peux mettre des tasseaux comme ça. Ouais, voilà. Et ici, tu les mets comme ça, c'est droit, mais t'es au milieu. Ce qu'il faudrait mettre, c'est d'en bas jusqu'en haut, tout droit. Mais là, on va perdre vachement. Bah, si tu coupes à ras et puis que tu le fais arrêter là, ton tasseau ici, là. Entre deux, là, et puis là, entre deux. Tu vois quoi? C'est possible, en fait, t'enlèves la vis ici, puis t'en mets une. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ah, c'est pas facile, hein. Regarde. Celle-là, on la met, et celle-là, on l'enlève. Et là, toi, tu veux partir à l'équerre, en fait. En gros, c'est un peu ça. Enfin, tu veux partir tout droit. En gros, comme ça. On perd au moins 3 cm, facile. On peut venir glisser un tasseau, tu vois, on est... Non, c'est pas ça. Voilà. Sinon, tu as ça comme solution, regarde, tu vois. Et là, ton encadrement,
Il arrive quasiment pile poil. Ouais. Pour tout ce qui est découpe et tout, tout sera moins chiant. Mais du coup, tu perds. Ouais, ils font combien les petits tasseaux? Ils font 16. Tu perds 16, quoi, chaque côté. Allez, tu perds un petit 4 en tout, sur la largeur à ce niveau-là. À ce niveau-là. Les meubles de cuisine, ça va. Tu perds pas de largeur, parce que c'est droit. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut remettre un tasseau ici et pas là. Tu peux très bien enlever celui-là, et tu récupères aussi ta courbe. Mais après, ils vont trop toucher la ferraille. Et là, pont thermique ici partout. Et là, moi, je veux pas. Je préfère rajouter un tasseau ici, et perdre un peu, et avoir une meilleure isolation, parce que là, du coup, tu gagnes tout ça en isolation. Là, tu auras une isolation assez importante. Hein. Là, en isolation, on sera à 7 cm. Voilà. Ah, pas facile, pas facile. En fait, il y a un autre truc qui complique. C'est que ça va être de la mousse. La mousse va arriver au ras des tasseaux. De là, il faudra qu'on vienne la raser, en fait. Donc, sur les pans qui sont droits, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de les fenêtres, si je les calfeutre maintenant avec du scotch, vous savez, du plastique, comme ça, il va venir, il va en mettre partout. Moi, ce que je voulais, c'est que mon tasseau, il arrive pile poil aux bonnes côtes du lambris. Comme ça, j'avais plus qu'à à raser partout et c'était nickel. Mais je me rends compte que ça va pas être possible, ça va être beaucoup trop de boulot. Alors je me dis, je peux très bien mettre mon scotch papier, vous savez, avec mon plastique qui protège. Lui, il va venir mettre de la mousse. Après, ça sera moi à découper, parce que la mousse, ça va dégueuler un peu partout ici. Ça sera moi à venir découper pile poil avec une lame de cutter, vous savez. Venir poncer la mousse au fur et à mesure, je l'adapte. Je viens mettre mon lambris et de là, je viendrai mettre une petite finition en plastique. J'ai trouvé ça, j'ai fait une petite... regardez ce que ça donne. Franchement, ça rend pas mal du tout. Donc, il y aura la mousse qui sera bien découpée propre. Ensuite, je mets mes vis qui vont venir du coup, non pas sur mon intérieur, parce que ça sera pas costaud, mais je prends des grandes vis qui vont aller rattraper la fenêtre. Ok ? Pour cacher les vis et pour que ce soit plus facile à nettoyer dans le temps, je viendrai mettre ça. C'est du plastique. Voilà. Les vis seront cachées et ça sera bien plus simple. Là, ensuite, il y a mon cadre qui vient et qui cache tout ça. Je pense que là, on est bien. Hein ? Je pense que là, on tient. Donc là, maintenant que je sais ça, je sais qu'il faut que j'arrête mes tasseaux au ras de cette fenêtre. Voilà. Vous voyez, mon petit plastique viendra en appui en plus sur les tasseaux. Je pourrais peut-être encore mieux coller dessus. Ça fera un appui supplémentaire. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Moi, j'y vais. En fait, j'arrivais pas à partir. Je réfléchissais. Et là, j'ai une idée. Parce que ce petit système, c'est vachement bien. Et de pouvoir le mettre avant, c'est encore mieux. Ouais, ça nous permet de bien araser notre mousse. C'est ça qui est bien. Donc, du coup, je me suis dit, Jérémy, pourquoi pas faire un truc? Je me suis fait des petites cales de 8 cm. Après, ça va descendre. Après, ça descend un peu. Donc, 8 cm. Ici, c'est fait pile poil comme le lambris. Mais ici, j'ai dit, je vais faire 8 cm partout. Vous voyez, ça va me faire un genre de mini coffrage. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de scotch et de la colle PU. Voilà, c'est pour sa colle. On verra demain si ça tient. Ensuite, j'en mets ici et en bas. Ce qui fait que mon entourage, il est prêt. Je viens mettre du scotch papier, je bourre en plastique. Il vient mettre sa mousse. Ça va pas gêner ton scotch pour la mousse? Celui-là? Ouais. Il sera parti. Ça, c'est juste pour la nuit, pour tenir la mousse. D'accord. Pour tenir les petites réglettes, pour pas qu'elle bouge. Donc, j'enlève le scotch et tout. Le petit encadrement, il est fait. C'est protégé en plastique. Comme ça, il peut pulvériser sur tous les côtés. J'aurais juste besoin de venir araser ici. Voilà, la taille de mes tasseaux. Et ensuite, quand j'aimerais mettre mes lambris, et bien là, avec le petit outil multifonction, j'aimerais couper à la forme. Ça va dépasser du lambris, tu es d'accord avec moi? J'aimerais découper à la forme, avec le petit outil multifonction, le surplus de ce petit morceau de plastique qui reste. Et oui, vous l'avez vu, on perd en mille et mille. Salut à tous. Bon alors, on va voir si ça a tenu. Ça fonctionne, franchement, ça va être super bien. Ça va prendre un peu de temps, mais bon. J'ai un petit peu de temps devant moi parce que j'ai pas encore reçu la toute dernière fenêtre. Donc, c'est pas bien grave.
Et moi, ça sera bien. Ah, c'est cool, elle a pu, ça bougera plus. Écoutez-moi, ça me va, regardez. Je fais pareil ici, pareil en haut. Salut! Je suis en train de manger des petites cerises au sirop que Pascal m'avait montré. Et en fait, je vais vous expliquer un truc. Là, je suis comme les hamsters. Là, je vais vous expliquer un truc. Pascal m'a bien montré, tu remplis ton bocaux avec les cerises, pas trop haut, tout ça, tu mets ton eau, ton sucre, et puis tu mets à cuire tout ça dans une grande gamelle avec de l'eau, voilà. Bien, bien fermé pour que ça ne bouge pas. Et je me suis dit, ouais, mais ça fait consommer beaucoup d'eau. Comment on fait si on est sur la route? Et du coup, j'ai dit, tiens, j'ai une idée. Je vais mettre juste la moitié d'eau dans la gamelle et je vais cuire les bocaux à l'envers. Donc j'avais fait 3 bocaux avec Pascal, ils ont marché nickel. Et là, j'en ai refait 3 hier, je les ai mis à l'envers. Et en fait, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je voulais économiser de l'eau, mais en fait, j'ai foiré mes 3 bocaux parce que le jus de cerise, il s'est vidé dans l'eau. Donc, ça ne marche pas, les bocaux à l'envers. Voilà, comme ça, je le saurais. Donc là, du coup, je les mange, ils sont bons quand même. Hein. J'ai 3 bocaux à manger pour que je puisse en refaire parce qu'on a des cerises à foison ici. Ça donne un truc de fou. Et donc, voilà, comme ça, on est en train de se faire des petites cerises au sirop pour cet hiver. Ça va être trop classe. Je sais pas où on sera cet hiver, ça se trouve on sera au Maroc et je mangerai des petites cerises au sirop du Maine-et-Loire. C'est un truc de dingue, c'est trop bien les conserves. Voilà, bon, je vais arrêter de vous parler de cerises. Hier, comme je vous avais dit, j'étais au magasin pour retrouver ça. C'est, ça s'appelle du polystyrène, c'est du PVC expansé, voilà, c'est ça. C'est une matière qui est plus ou moins souple, en même temps un petit peu rigide, et qu'on peut découper au cutter. Donc j'ai réussi à en trouver au magasin, j'ai acheté une grande plaque de 1 mètre par 2 mètres, et au début je me suis gouré, j'ai pris la plaque, je l'ai chargée dans la voiture, et en chargeant dans la voiture, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle est dure. Et en fait, j'avais pris du polystyrène, c'était exactement le même, mais vachement dur, vous savez, cassant, un peu comme du verre. Du plastique. Et ça coûtait combien ? 70 balles la plaque, truc de dingue. Du coup, j'étais là, ramené tout de suite. Et j'ai repris celle-là, la grande plaque de polystyrène de PVC expansé, qui coûtait 29 euros. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, ça, c'est une petite chute qu'on m'avait donnée. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir tout faire. Et bah, là, comme ça fonctionne bien, je suis en train de faire tout le reste. Je fais tous mes petits morceaux. Voilà, il faut que je les découpe. Je fais tous mes petits morceaux pile poil. Et je vais faire tous mes entourages. Donc j'en ai 12 à faire, ça va être assez long. Et Charlotte va m'aider à mettre le reste des litos, tout ça. Parce que bah là, c'est un peu chiant de bosser tout seul. Du coup, je viens te voir parce que tu as reçu un colis. Donc je sais pas trop ce que c'est en fait. Ah bah c'est les connecteurs MC4. Ah bah c'est cool. Ah bah, ça y est, on a reçu notre connecteur. Il y a tout ça ? Ouais. Je pensais qu'il y en avait qu'un ou deux. Il y en a, bah en fait, il y a des mâles, femelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ils en ont mis un peu plus. Ah bah c'est super cool. Parce que là, maintenant que j'ai les connecteurs, je vais pouvoir les faire descendre ici. Quand l'isolation sera faite. Hein, parce que après, c'est ici ma partie technique. Ah non, le régulateur, il va en dessous. Je sais pas, ça se trouve, je peux les brancher dans peu de temps, on va savoir. On pourrait commencer à produire de l'énergie. Hein ? Ouais, ça serait top. Hein. Ça serait marrant. Salut les bandits! Salut à tous! Comment ça va les bandits? Vous avez souhaité une bonne fête à votre maman? Bonne fête à toutes les mamans! Ouais, bonne fête à toutes les mamans! Parce que c'est dimanche. Là, vous allez voir ça mardi.
Mais c'est dimanche. Et du coup, c'est bonne fête à toutes les mamans. Et voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai Jérémy. Voilà, comme c'est dimanche, on travaille. On est en train de finir, Charlotte découpe les ça. Donc on a démoulé, vous avez vu, je vous avais fait voir. Hein. On a enlevé les scotchs et ça tient bien. Je vais faire des petits joints, hop, à l'intérieur, partout, tout à l'heure. Et ça sera fini. On espère qu'on va avoir assez de plastique pour tout faire. Ça va être chaud, va falloir que tu gères bien. Va falloir que je me plante des cotes. Et du coup, on peut parler entre nous, le micro est là, sinon. T'as vu? On essaie toujours. Toi aussi, tu parles là-bas. Ah ouais, c'est l'habitude. Maintenant, on est des professionnels. On va être bientôt des stars sur Internet. Et je parle du nez. Et du coup, on fait ça. On est tous malades, par contre, ça, c'est du coup, on fait ça. Après, on met les lithos, comme je vous ai dit. Et il faudra attendre la toute dernière fenêtre. Mmh. Mais bon, pour l'isolation. Ce soir, après le direct, je commande les réserves d'eau. On va commander. Tu l'as pas fait hier ? Non, j'étais tellement fatigué, j'ai pas pu. On commande les réserves d'eau. Voilà. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Moi, le but du jeu, c'était de mettre 1000 litres. Mais si je mets 1000 litres, je vais vachement utiliser les soutes qui étaient vachement grandes. Et c'est dommage. Alors que si je les mets à un endroit où c'est bien renforcé au niveau de la structure, elles vont vraiment être bien, là, les réserves d'eau. Par contre, j'aurai que 600 litres. On n'aura que 600 litres. Je me dis, avec Flash, on avait 500 et on s'en sortait très ouais, bien. Ouais, c'était bien. Là, on aura 100 litres de plus. Et puis, y aura moins de poids, moins de ballons, moins de trucs. Puis, ça prend de la place au final. Donc voilà, 600 litres, on dit on est content. Je vais vous faire voir tout ça dans une prochaine vidéo. Vous allez voir que là où ils vont être positionnés, ça va être vraiment bien. Allez, let's go! On va refaire une prise, on a foiré, j'avais oublié d'allumer mon micro. Du coup, il n'y avait pas de son qui sortait. Voilà, du coup, quand on... ça faisait... Alors, on a dit, on va pas la mettre, on va la refaire. Donc, on refait la prise. Alors, donc, nous avons mis avec Charlotte une deuxième épaisseur de tasseau. Ce qui nous permet de venir mettre notre lambris comme ça, ici. Il y aura une petite courbe. Et là, ça part tout droit jusqu'en haut. Donc, c'est ça qui est cool. Le lambris va arriver au ras, comme ça, quand il sera fixé. Et on n'aura plus qu'à découper au cutter proprement, ou alors avec un outil multifonction, on verra ce qui se découpe, ce qui va le mieux, hop, et comme ça, ce sera nickel. Il y a aussi un autre avantage, c'est que quand il va venir mettre la mousse va venir jusqu'ici, et ça va l'empêcher d'aller projeter sur les fenêtres. Bien sûr, ça sera protégé. Voilà, bien sûr, ça sera protégé. Ensuite, nous, on vient araser, qu'ils appellent ça, avec une lame, on viendra couper toute la mousse au ras. Je l'ai bien fait, t'as vu, regarde, j'ai fait une lame, regarde, je coupe avec une lame virtuelle, t'as vu, c'est bien fait, hein. Et ouais, c'est clair, c'est facile à dire, mais à mon avis, on va bien galérer. Sinon, à la ponceuse pour les petits endroits et tout, ça va être. Voilà, on va bouffer de la poussière pendant une journée, voire deux jours. Mais bon, l'avantage de la mousse aussi, c'est que ça va tout mouler. Les tasseaux, ils vont se tenir beaucoup mieux parce que c'est une 30 km², si je dis pas de bêtises. Donc, c'est assez compact. Et ça va faire une coque de polyuréthane. C'est ça qui va être vachement bien. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu pris. Et je pense que l'avantage aussi, c'est quand on va venir poser nos... Tu me dis si je dis de la merde. Poser nos entourages de fenêtres.
Aussi, ça va être un support pour bien les poser, ça. Ah bah ouais, ça va être nickel. Et surtout, on va les couper au ras. Donc voilà, là, on a fini toutes les fenêtres. Et on va attaquer l'autre côté. Voilà. Donc, pour cette vidéo, c'est fini. On se retrouve jeudi prochain pour la suite. On va parler quoi aussi jeudi prochain? Normalement, on va parler réserve d'eau parce que je vais commander les réserves d'eau. On va vous dire qu'est-ce qu'on a mis, pourquoi on a mis ça. Parce qu'il y a eu du changement entre-temps. Combien de litres on va mettre? Où est-ce qu'on va les mettre? Pourquoi on veut les mettre là? Et normalement, je devrais aussi commencer à passer les fils avec le passe-cloison pour emmener les fils des panneaux solaires jusqu'en bas parce que je vais mettre en bas régulateur et convertisseur de tension. Tout ça sera dans les soutes parce que comme il y a des ventilateurs, je veux pas qu'on les mette à l'intérieur parce que c'est gênant. Ça peut être gênant quand ça ventile, c'est chiant. Donc vraiment régulateur de charge et convertisseur, ça sera en soute. Et ensuite, on aura en haut de la porte, on aura tout ce qui est table électrique avec les appareils de contrôle, de visualisation. Moi, je l'ai bien dit, hein, de visualisation, plus le disjoncteur électrique, tout ça, ça sera tout ce qui fait pas de bruit et ce qu'on peut voir en direct. Et ben, ça sera ici, en haut de la porte, là où il y a un espace qui est nickel. Franchement, c'est prévu pour ça. Un peu comme dans les camping-cars, souvent en haut de la porte, il n'y avait pas d'autre contrôle. Et ben là, ça fera exactement pareil. Ça sera. Voilà ce qui nous attend dans les jours à venir. Sur ce, passez une bonne semaine, lâchez les petits pouces, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Ouais, des gros pouces. Il y en a, ils disent « Ah, j'ai pas assez de mes bras pour lâcher les pouces !» Voilà, allez, prenez soin de vous, bonne fin de semaine. J'ai déjà dit. Ouais. Tu radotes, ouais, hein, c'est la je sais, c'est la vieillesse. Et ben, je vais partir comme un petit vieux, tiens, dis. Allez, on vous embrasse, plein de bisous. À 70 ans, je serai encore en train d'aménager les bus. Allez, ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir.